Il était une fois un homme qui était la musique. Seul, dans sa maison bulle, cernée par les buildings, il créait l'univers sonore de l'an 2000. Au moment où l'on ressort Blade Runner, le film culte des années 80, signé Ridley Scott pour l'image et Vangelis pour la musique, l'homme au disque d'or qu'il affiche, mais dont il se fiche, ne croit qu'en la musique, simultanément créée, jouée, enregistrée. Entouré de synthétiseurs d'usage courant, mais dont seul il détient la clé de l'organisation, il laisse jaillir de son inspiration un monde complexe et poétique d'émotions qui mettent en scène une multitude d'instruments aux couleurs sonores infinies. Diable d'homme qui se dresse avec fougue contre un enseignement musical trop souvent castrateur et qui dénonce, non sans humour, le jargon des chiens de garde d'une certaine musique contemporaine qui élabore longuement dans le secret des musiques purement cérébrales. Vangelis, c'est l'inspiration à l'état brut, c'est l'émerveillement candide de l'enfance retrouvée.
Yeah.
Thank you.
On peut avoir un son de clavecin, là ? De clavecin, oui. On a un son de clavecin, si on met un son de guitare, qu'est-ce qu'on va avoir qui va passer plein, dans les doigts? Même avec le clavecin, on peut faire autre chose, il n'y a pas que ça, on peut faire. Le son de guitare. Son de guitare. Je suis comme une boutique. Son de guitare. Et la guitare, on peut faire plein de choses, on peut faire. Évident.